Les études concurrent à dire que l'économie malienne est informelle. Qui dit économie informelle dit circuit avec peu d'informations officielles. Les Maliens sont-ils à l'aise pour évoquer ce qu'ils gagnent chaque mois? Nous avons mené l'enquête dans la rue de Bamako. Nous avons posé trois questions aux Bamakois. Dans quel secteur évoluez-vous? Estimez-vous gagner ce que vous méritez comme revenu? Combien gagnez-vous? Moi, c'est Mamadou Traoré. Nous travaillons dans le secteur de la sécurité. Nous travaillons dans la sécurité électronique. Nous faisons les caméras, nous faisons les centrales d'alarme et les systèmes de contrôle d'accès également, les GPS. Je suis Moro Sanogo. Je suis conseiller au niveau de Saham Assurance. J'ai évolué dans le domaine d'assurance. Je suis agent commercial. Je travaille dans un ONG qui lutte contre le VIH, SIDA et l'hépatite virale au Mali. Je suis dans le secteur du bâtiment. Principalement ici, je suis le maçon. Je suis actuellement à l'école de Némé. Je suis à l'école là. Donc, moto taxi de Bémolo. Je suis à l'école LG. Aboubakar Sako. Je suis à l'école LG là, Froua. Dans le secteur d'agence de voyage, quoi. Comme vous le voyez, groupe ABAM. Travel. Sur le domaine médical. Ouais, nous méritons en quelque sorte ce que nous gagnons. Pour l'instant, comme nous sommes à notre début quand même, bon, on se sent quand même heureux. On se contente de ça. Et moi, je suis payé en fonction de l'effort fourni sur le terrain. C'est-à-dire que la commission que je gagne, bon, c'est insuffisant par rapport à ce que je dépense en famille. Les revenus, ça me va très bien. La sécurité n'a pas de prix. La maçonnerie actuellement n'est pas bien rémunérée. Parce que ça vaut 3 ans comme ça là. On n'a pas eu à revoir notre SMIG. Donc je ne suis pas heureux de ce que je gagne. Et de plus de formation, je suis technicien, mais je travaille comme maçon pour pouvoir joindre les deux bouts. Bon, on va barrer là. Donc, moto dame. Les journées recettées comme Duru, mais comme Oro. Donc, chaque jour. Je travaille cette dame, il est mis sur le coffre et retaille. Ah, au tinga barasson, ne pas, au tinga barasson. Ah, on bagaille à Capsani, Chouani, à Capsani, ce qui est son nom. Son, ah, tiens là, au bambou la sonne. Ah bon, on y a déjà terminé, on veut barra minke, on y sera, sera rado. Bon, sans vous mentir, je suis pas rentré dans ces domaines-là d'abord. Mais vous avez dit, il faut le même. Absolument, absolument. J'aimerais un peu ne pas me prononcer là-dessus. Je préfère me taire là-dessus, sur le salaire, c'est personnel. Ça varie entre 60 000 et 100 000 pouchards par mois. Bon, ça, je préfère garder l'anonymat. Donc, moyennement, je peux dire que je gagne à peu près 200 à 300 000 par mois, ça dépend. Bon, salaire de Watan Fla. Bon, moi, c'est là, ça sera détaillé là, mais ça sera là. Beaucoup de gens se sont plaints du fait que leurs revenus ne leur conviennent pas assez. Autant qu'ils ont du mal à dire leurs revenus, autant ils estiment qu'ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur.